Game after game after game, I realize now what is most important in my life. Football. Show me something more thrilling than a perfect volley. Tell me you've never dreamed the immaculate strike, been part of that moment when an entire nation holds its breath. Tell me that football is not our one common language when the whole planet stops for 90 minutes to be witness to that one thing we all understand. Yeah, you can tell me I'm wrong. Some may say it's just a game, but this is about heroes and tribes, loyalty and devotion. It's our commitment and our passion, our battle and our belief. This is our faith. Now, feel the fever of the crowd, hear the roar of the faithful. You are Ronaldinho, you are Wayne Rooney. This is the beautiful game. This is your moment. Et bien salut tout le monde les gars, c'est Artsoft. On se retrouve aujourd'hui pour le premier épisode d'une carrière joueur, une carrière pro en solo. Donc c'est la première fois que je fais ça sur ma chaîne, donc j'espère que ça vous plaira quand même les gars. Donc pour commencer, j'ai décidé de jouer en MLS au New York Red Bull pour changer un peu, parce que j'imagine que l'Europe, on le voit assez souvent sur YouTube. Après j'avoue que je regarde pas forcément tout ce qui se fait en solo, tout ce qui est en mode carrière, etc. Mais j'imagine que les gens doivent le plus souvent penser à l'Europe pour pouvoir jouer à la Champions League, etc. Et moi, je sais pas, j'ai préféré partir en MLS, le petit rêve américain au calme. Donc pour commencer, je crée mon personnage tranquillement, je me fais pas chier, hein, je laisse les têtes d'origine, je change juste la coupe de cheveux au calme. Et puis voilà. Concernant aussi les paramètres, je me suis mis en pro, parce que franchement les gars, je vais vous le dire, je suis vraiment une bite contre l'ordi, j'arrive pas à jouer contre l'ordi. Après, si c'est trop facile, bien sûr, je vais pas me casser la tête, je vais passer en champion. Et si c'est encore, on va dire, simple ou pas trop difficile, on passera en légende, tout simplement. Mais je vous avoue que j'ai commencé une petite carrière en solo, mais hors vidéo, et j'avais galéré, donc c'est pour ça que je me suis mis en pro, sans pression, quoi. Je me suis pas cassé la tête, puis voilà. Donc, on crée le pro, et on va commencer la carrière, tranquillement. On va essayer de remplacer Thierry Henry, un Français en pointe de nouveau du côté des New York Red Bull. Donc je pense pas qu'on va pouvoir remplacer Henry, mais voilà. On va essayer de faire quelque chose de bien. J'espère que ça vous plaira encore une fois. Donc pour ce qui est des objectifs, 5 passes décisives avec l'équipe, 8 buts, garder une note de 6,3. Donc ça, ça devrait être franchement largement faisable. Hein. Franchement, on va pas se le cacher. Et garder aussi une moyenne de 1 but tous les 12% pour partir, un truc dans le genre, j'ai pas très bien compris, mais faut qu'il y ait une note de 12%. Bref, je pense que vous comprenez pour ceux qui jouent la carrière. Après, je pense que c'est pas trop important. Bref, on commence déjà par le premier match de préparation. Je commence titulaire avec une première occasion à la 7ème minute. Malheureusement, je dribble le gardien, mais je n'arrive pas à concrétiser, donc le premier but n'est pas encore là pour cette première en professionnel. On continue la tête. Franchement, mes collègues, c'est pas des ratins, ils jouent quand même sur moi. Donc ça va, ça fait plaisir. Comparé aux premières carrières que j'ai fait sur FIFA où on me faisait pas de passes, franchement c'était des bâtards. Mais là, franchement, j'avoue que New York Red Bull, ça fait des passes et ça fait plaisir. Et surtout, je suis tout seul en pointe. Donc on peut en profiter largement. Donc on continue, Felipe qui me fait la passe en profondeur. Et là, je vais essayer d'y aller tout seul. Mais voyez, les gars, niveau finition, c'est pas trop ça encore. En espérant que le joueur va s'améliorer très vite. A noter que les gars, vu que je suis vraiment un noobie, franchement je suis un noobie du mode carrière. Donc les gars, franchement, pour ceux qui sont assez expérimentés dans ce domaine, n'hésitez pas, franchement n'hésitez surtout pas à me conseiller. Parce que franchement, je vous avoue, hein, c'est que ma deuxième carrière pro avec un joueur. La première je l'ai fait il y a 2 jours pour essayer. Et franchement, ça me plaît. Franchement, ça me plaît vraiment. J'ai mis que 4 minutes la mi-temps. Donc le premier match se termine. Il n'y aura pas beaucoup d'occasions. Mais ce qui va me plaire, moi, surtout, c'est que vu qu'il n'y aura que 4 minutes, et ben, on va pouvoir faire la carrière très rapidement. Et pouvoir évoluer très rapidement et également, tout simplement. Donc voilà, deuxième match de préparation. Je ne suis pas pris. On continue. Je suis titulaire contre Sydney. Sydney FC, l'ancien club de Del Piero. Je crois pas qu'il joue encore. Bref, on continue.
premier match de préparation, quoi, troisième match de préparation, tout simplement. Deuxième match en tant que titulaire pour moi. On commence très bien avec une tête à la cinquième minute. Sydney FC, je vous avoue que j'étais serein, je me suis dit, il y a moyen de faire quelque chose. Et là, on commence avec un petit contrôle orienté, on accélère, et là, petit plat du pied au premier poteau. On ouvre le score, premier but en mode carrière, les gars, ça fait plaisir. But pied droit, on est bien, 1-0. On continue de pousser, on tente des frappes, on est en confiance, les gars, on est en confiance. C'est le deuxième match en tant que professionnel, c'est vrai que là, on commence à monter en puissance. On accélère, frappe, on fait le radin. Franchement, je tente des choses, je me fais plaisir, c'est vrai que... C'est vraiment énorme ce mode carrière au final. On continue de pousser, petit contrôle, la LBY, le petit plat du pied gauche, 2-0, le doublé. Premier doublé en professionnel, ça fait plaisir, ça fait que c'est mon troisième but en carrière. C'est quand même pas mal pour ce match de préparation. Ou attendez, je dis troisième but en carrière, non, deuxième but en carrière. A noter qu'on a failli se prendre un but à la 79e minute, heureusement que les adversaires niveau finition c'est pas le top. On continue de pousser, franchement ce que j'ai fait c'était sale, malheureusement. Ça ne va pas. En tout cas, on est homme du match. 2-0, doublé de Lardinho. On est bien, franchement, on est bien. En espérant qu'après cette performance, on soit pris pour le prochain match. Après, l'entraîneur ne me fait pas trop confiance encore, c'est normal, je suis jeune. 68 de général. C'est plutôt pas mal, donc il ne me fait pas confiance. Il se la joue solo. A noter qu'on ne sait pas s'ils ont gagné ou pas. Mais bon, une chose qui est sûre, c'est que je suis pris pour le prochain match en MLS. Voilà, mes débuts en MLS, ça fait plaisir contre Chicago. Donc c'est Chicago qui va ouvrir les hostilités avec une première occasion, la tête, heureusement que le gardien est présent. Il continue de pousser, regardez-moi ça, heureusement que le gardien est là parce que franchement, on a eu chaud en début de match. C'est que la quatrième minute, deux occasions, ça fait mal. On continue, Felipe qui va me lancer dans la profondeur, Lardinho, l'accélération, Lardinho frappe le premier poteau. Franchement j'ai tenté le premier poteau, j'avais pas d'autre choix parce que j'avais pas d'adversaire, de collègue avec moi pour m'épauler, en soutien, bref, on continue. Et là, regardez ça, superbe. Superbe enchaînement, contrôle frappe, le classique dans le football. Frappe petit filet, le gardien n'a pas bougé, j'adore ce genre de frappe. On continue, la petite balade, hein. Passement de jambes, on fait tomber l'adversaire, on continue, fin de frappe. J'ai remarqué que les fins de frappe, les gars, contre l'ordinateur, ça marche très très bien. Que tu sois en pro, en légende ou n'importe quoi, la fin de frappe, le classique, c'est abusé. En tout cas, très peu d'occasions, un but pour ma part, on fait gagner l'équipe, donc ça fait plaisir. Mais là, l'entraîneur me prend pas encore pour le prochain match, je fais chier. On fait 1-1. Malheureusement, 1-1 les gars, c'est pas grave. A noter que New York Red Bull, je pensais que c'était plus fort que ça en termes de simulation. Franchement, on prend le bouillon. Souvent, on prend le bouillon. On regarde les objectifs. À chaque match, il me demande quand même de faire une note moyenne de 6. De faire un but, une passe D. Franchement, c'est chaud. Hein. Un but, une passe D par match. Sachant que j'ai mis que 4 minutes. Après, j'essaye de découvrir un peu le mode carrière, tout simplement. Comment ça se passe pour les transferts, etc. A noter que si on fait rien et si on se qualifie pas pour les playoffs avec New York, bah c'est même pas la peine, on va demander un transfert et puis essayer de partir en Europe. Mais pour l'instant, on continue notre carrière, on est jeune, New York Red Bull, on continue. Une deuxième titularisation contre les Impact Montréal, les Québécois, on continue. Les Québécois, les Canadiens? Non, Canadiens? Oui, Québécois, bref, si Canadiens. Oula, je commence à dire de la merde. Faut vite s'arrêter. En tout cas, première occasion pour moi. Ça se concrétise pas, malheureusement. Fait chier, j'aurais pu marquer un nouveau but. Mais bon, c'est pas grave, on en aura d'autres. Ça continue de pousser. Mes collègues qui chient un peu dans le pâté sur ce coup-là. On aurait pu mettre le 1-0, mais bon, on continue. Regardez-moi cette petite action collective. Le départ, la passe, l'enroulé. Dédicace à Thierry Henry. Franchement, ce but, c'est un but à la Thierry Henry. Je pensais pas du tout que j'allais pouvoir poser un enroulé comme ça avec mon joueur. Regardez-moi ça. Tac, enroulé, petit filet, on est bien. Dédicace à Thierry Henry, on est peut-être la relève, je ne sais pas. Peut-être qu'on a marqué l'histoire de New York, mais ça m'étonnerait. En tout cas, on récupère le ballon, on accélère, on se fait rattraper par les défenseurs. Donc frappe pied gauche, encore une fois, bah, le pied gauche, c'est pas le top. Je sors, et les gars, regardez ça. On gagne 1-0 à la 84e minute. Et je vais remarquer une chose, c'est qu'en allant sur mon joueur, il va me dire que j'ai fait une victoire et une défaite dans ma carrière. En fait, je crois, les gars, bah, dites-moi bien dans les commentaires, je crois que quand je simule, bah, alors, le jeu il fait de la merde, il refait tout le match. Parce que ça m'est arrivé, franchement j'ai déjà tourné les deux épisodes, hein. Donc là le premier épisode est tourné, le deuxième c'est pareil, je suis encore en pro, mais je pense qu'au troisième on va passer quand même en champion, voire légende. J'ai testé ça, mais regardez, deux matchs joués, une victoire, une défaite, et deux buts marqués. C'est abusé ça. En fait quand j'ai mis simulé, je crois que ça m'a pas compté mon troisième but. Donc dites-moi dans les commentaires, mais je crois que j'ai fait de la merde.
Et dans l'épisode d'après, j'ai encore fait de la merde parce que j'ai simulé. Je vais vous spoiler, les gars. J'ai gagné 1-0 à la 86e minute. L'entraîneur me sort. Et au final, je regarde le résultat, on perdait 4-1. Donc je sais pas du tout, je pense qu'il faut pas simuler les matchs. Dites-moi ça dans les commentaires, les gars, je pense qu'il faut pas simuler les matchs. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. J'ai hâte de sortir les épisodes d'après. C'était l'Arsoft. J'espère que ça vous aura plu encore une fois. N'hésitez surtout pas à me conseiller. Parce que franchement, je débute, c'est normal. En tout cas, j'espère que ça vous plaira. Bisous sur la fesse. Et bonne journée à tous.